4 juillet 1776, 4 juillet 2024. 248 ans que les États-Unis d'Amérique ont accédé à leur indépendance. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des personnalités influentes, sans oublier la communauté américaine de Côte d'Ivoire, tous ont fait le déplacement autour du thème Winning Together, Champions United. Nous sommes ensemble pour célébrer un jour important ainsi que l'amitié avec la République de Côte d'Ivoire. Et pour parvenir à la paix durable, nous élargissons notre coopération en matière de sécurité pour que Américains et Ivoiriens vivent dans la paix et la sécurité. Le thème a parfaitement résumé l'esprit de cette soirée marquée par l'unité, le partage et la célébration de valeurs communes. Je veux donc me réjouir de notre volonté commune d'opter à la dynamisation de notre coopération bilatérale. Cette volonté de venir ensemble et de renforcer le cadre normatif de notre coopération s'est matérialisée au début de cette année 2024 par la signature de trois accords stratégiques dans le domaine de la coopération opérationnelle entre les armées. Depuis, l'application de la loi maritime, la mise en œuvre de la manipulation d'informations contre les États étrangers. Cet événement a non seulement commémoré l'histoire des États-Unis, mais a également jeté les bases pour un avenir prometteur entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, fondé sur une coopération mutuellement bénéfique.